Je vais à Ostende. Il va à Ostende. Que faut-il comme papier pour aller en Espagne? Il faut tout d'abord un passeport en cours de validité, pour les personnes qui se rendent soit par le train, soit en voiture. Ils se retrouvent ici comme ils le seront ce soir au camping, en rang serré, heureux d'être en vacances, même si ce n'est pour une semaine ou deux seulement. Une révolution en douceur, les frontières sont tombées ce matin entre 7 pays en Europe. L'événement est rarissime sur la planète. Les accords de Schengen ont été signés il y a 10 ans et il a fallu beaucoup de discussions pour mettre au point ces nouvelles procédures. Je sais pas, on sent qu'il n'y a plus de frontières, quoi. Ça fait du bien. Et ça va faciliter les choses. Das Erstaunlichste war erstmal die offene Grenze. Le plus étonnant, c'est cette frontière que nous avons traversée sans nous arrêter. Ça ne nous est jamais arrivé. Et de façon générale, nous sommes touchés par la gentillesse des gens ici. Et pour nos touristes français, il vaut mieux emporter en voyage des liasses d'euros. Car jusqu'à maintenant, utiliser sa carte bancaire en Europe n'était pas gratuit. L'Europe de Schengen s'arrête ici. Qui est-ce à l'appareil? Un appel rapide, juste un message. Et la facture s'emballe parfois très vite à l'étranger. J'ai été choqué parce que j'ai vu 753 euros. J'ai payé. Ça, je peux pas le dire. Ah, c'est vrai? Oui. Mais j'en ai eu pour cher. Ouais. Un avantage certain que l'Europe a apporté à tous ses citoyens. Quand vous partez au sein de l'Union européenne, vous ne payez plus de factures astronomiques si vous consultez Internet sur votre smartphone. On est allé à Barcelone récemment et c'était très simple pour appeler les amis, partager les photos. Ici, c'est comme si j'étais en Espagne. En effet, il vous est toujours possible, grâce au téléphone, d'abolir les distances et d'obtenir instantanément le contact avec vos semblables. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est bien.